Eh bien, et salut à tous, c'est Katoon, et aujourd'hui on se retrouve pour la vlog numéro 4. Et c'est pour vous montrer que j'ai monté mon PC, donc vous avez déjà eu quelques clips pour vous montrer les quelques photos que j'ai prises pendant que je le montais. Et je voulais vous montrer ça. Alors déjà, je vais juste bouger mon haut-parleur, ce qui va gêner. Où je vais le mettre? On va le mettre là-haut. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit le PC ici. C'est un peu bizarre comme vu, on voit que ma main. Ah, je peux pas faire mieux parce que c'est avec la webcam de mon PC portable qui est ici. Donc ouais, c'est un peu bizarre comme vue. Bref. Ouais. Donc vous avez vu le PC, donc c'est un 8 Go de RAM. Je crois que c'est un 4 coeurs avec je sais plus combien exactement de gigahertz comme processeur. Enfin bref, tous les. Enfin ma config de l'ordi exact sera dans la description. Et bon. Bon, je sais pas si vous voyez très bien, mais les fils, c'est juste n'importe quoi. Parce que j'ai un boîtier, il est minuscule. Et c'est un peu bizarre, donc je me suis démerdé comme j'ai pu. Mais c'est là où je suis arrivé jusque. Enfin, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai pas réussi à faire mieux pour le rangement des fils. Enfin bref, ouais, donc j'ai réussi à monter. Ça m'a pris deux petites soirées et une petite matinée. J'ai pris mon temps, j'ai fait tranquillement. Puisque de toute façon, j'avais le temps, j'avais pas internet. Voilà, ouais, donc j'ai plus internet depuis mercredi. Et on est censé le retrouver vendredi prochain. Donc si vous voyez cette vidéo postée vendredi, bah vous saurez que j'ai retrouvé internet. Et si vous la voyez poster plus tard, bah c'est que j'ai pas retrouvé internet. Bref, ouais, et donc j'ai reçu tout ce qu'il y a pour le PC, mais il est pour le moment pas encore utilisable parce que j'ai pas reçu Windows 7. Et j'aurais pu éventuellement le craquer, mais sans internet c'est un peu impossible. Juste un petit peu. Enfin bref. Donc voilà, donc ça marche si j'allume. Ah merde, j'ai oublié de le mettre en on. Ah. Et j'ai fait tomber la webcam. Comme si ça suffisait pas. Allez, webcam, remets-toi. Ah. Voilà. Donc je l'allume. Ouh. Et vous voyez deux ventilos qui tournent, il y a celui du processeur et il y a celui avant. Celui derrière, là, bon, vous le voyez pas, il est caché derrière l'écran. Mais malheureusement, il tourne pas. Parce que j'ai qu'une seule prise de ventilo, hors celui du processeur. Donc j'ai le CPU fan et j'ai une prise fan. J'ai pas deux prises fan, donc du coup. J'ai un ventilo qui sert à rien parce que j'ai pas de prise. Donc si vous connaissez des, je sais pas, des multiprises pour ventilo, je dirais, dites-le moi parce que là, franchement j'ai pas. Sinon je sais pas si, enfin comme vous avez vu, donc j'ai customisé aussi l'avant, j'ai mis plein de petits autocollants pour que ça soit trop swag. Et bah du coup maintenant bah, ce PC il s'arrête sur cet foutu écran auquel je peux rien faire parce que j'ai pas le CD Windows. Donc là si je prends mon clavier et que je fais entrer, ouais il va me dire raté. Ouais bref. Ouais, donc là, si vous voyez, bah, le clavier est dessous le bureau là. Enfin, bref, on s'en fout. Ouais, donc c'était pour juste pour vous montrer que j'ai mon PC et que ça va être cool. Ouais, donc je pense que je vais utiliser ce micro que je brancherai sur l'autre PC. J'ai de l'USB 3.0, j'avais pas fait attention au moment où j'ai commandé la carte mère, donc j'ai deux ports USB 3.0, ça c'est cool. Et voilà. Donc maintenant, je vais peut-être fermer le PC, je vais utiliser deux petites vis et remettre le capot. Et voilà, donc. Et sur ce, je vais vous laisser et. Vous allez pouvoir enfin voir des vidéos HD, autre que les tutos Paint.net et compagnie qui eux étaient en HD. J'ai aucune vidéo vraiment en HD, le reste sur Minecraft c'est 270p. Voilà, quasi à chaque fois. Bref, bon bah je vais éteindre ce PC. Et voilà, il est éteint. Et j'attends Windows 7, j'attends Internet et je pourrai enfin produire des vidéos. Et ça va être cool. Bon bah voilà, c'était Katoon, c'était juste pour vous montrer ça et je sais pas quoi dire. Et voilà. C'est tout. Bon, allez, ciao.